C'est une rare de Hexdragon, donc ça c'est vraiment rare. Oh, on a une énergie de Pop 4. Ça c'est vraiment très rare. Qui est off-center. Regardez le centrage de cette carte, c'est magnifique. Je vois un truc qui brille, je sais pas ce que c'est. Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo réception. Aujourd'hui, on reçoit une collection mystère que j'ai rachetée. J'ai payé ça 20€ et c'est énorme. Bon, vous voyez l'emballage, c'est un paquet de trésors de Kellogg's. Donc c'est assez ghetto comme emballage, mais c'est assez sympa de recevoir ça là-dedans. Et franchement, je pense qu'il y a plus d'un kilo de cartes, il doit y avoir au moins 2 kilos de cartes là-dedans, c'est vraiment impressionnant. Je pensais qu'il y en avait beaucoup moins. Je vous mets à l'écran la photo de l'annonce, comme ça permet de visualiser un peu ce que je vais avoir. Alors vous voyez qu'il y a beaucoup de cartes qui sont à l'envers, et on voit vraiment pas grand-chose. On voit juste un Lucario V-Star, donc qui est une des cartes pour lesquelles j'ai acheté le lot, même si j'espère qu'il y aura d'autres cartes intéressantes. On a vraiment beaucoup de découvertes à faire et j'ai hâte de découvrir tout ça. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas fait de vidéo comme ça. Donc on est parti, je déballe le colis et on se découvre tout ça. Alors la quantité de cartes est juste folle. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous prendre comme ça. Regardez la taille des piles. Je pensais vraiment pas qu'il y avait autant de cartes. Donc là, on a une pile, mais on en a une deuxième comme ça. C'est juste fou, il doit y avoir quasiment 1000 cartes là-dedans. Donc je pense que la vidéo va durer un peu plus longtemps que prévu, mais c'est parfait. De toute façon, moi, j'ai que ça à faire de découvrir tout ça avec vous. Et j'en ai le sourire jusqu'aux oreilles, je suis trop content. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire des petits tas, et on se retrouve juste après. Alors voilà ce que ça donne. J'ai fait différents tas, donc on peut voir la quantité de cartes impressionnante. Donc je vais prendre les tas un par un, et on va se découvrir tout ça ensemble. Donc je vais décaler ça. Alors déjà dans ce lot, il y avait quelques petits accessoires, donc il y avait des pochettes avec des sleeves qui brillent dans tous les sens. Ça c'est de la sleeve, franchement je connaissais pas du tout ce genre de sleeve, mais bon bah, on va s'en servir hein. S'il y a des cartes sympas, on mettra ça là dedans ensuite il y avait deux petits jetons, donc voilà, un Mewtwo et un Corvallus, et il y avait un petit truc là, je sais pas ce que c'est, je saurais pas vous dire de quelle chose ça arrive. Bah c'est du Marvel, ok, c'est un truc Leclerc. Et bien on est parti maintenant pour les cartes Pokémon, donc il y en a dans tous les sens, on va se découvrir ça petit à petit. Donc on commence avec un Staros, je vais essayer d'aller assez vite sur les cartes qui sont récentes parce que c'est pas ce qui nous intéresse. J'ai vu qu'il y avait de l'ancien aussi, voilà comme ça. Sombre Ball, je vais avoir un travail de tri après ça, ça va être sympa. Recherche d'énergie, énergie, Snubbull, Caninos, Rapid Ball, Caninos. Gros tas de morve, une rare de glaciation plasma. Mars de la Team Galaxy. Et franchement, il y a des cartes qui sont en très bon état. Là, on est sur du Merveille Secrète. C'est vraiment cool. Ok, on a vu un truc sympa. Module Leur. Donc là, on a du Pokémon Go. Et derrière, on a la première carte très sympa. Qui est une Reverse de Gardien de Cristal. Donc c'est la carte Tempête. Donc ça, ça va partir de côté dans les hits. On a Ténéfix. Bulbizarre de Gardien de Cristal, Malos, Morpheo, Pachmila, là on a une fausse carte, Zarbi-O, Énergie, Porygon 2, Énergie, Primplouf de Diamant et Perle de base, des énergies, donc là on va mettre ça dans le bon sens, Cacnea de Gardien de Cristal, Pikachu de Aube Majestueuse, Noix de Coco, Tournegrain, des énergies, Ammonita de Fantomolon en espèce Delta, très joli. Ensuite on a le Loupio de Légende Oubliée. Rondoudou de Gardien de Cristal, une énergie. Blizzaroi en rare de Diamant et Perle Tempête. La potion de Rouge Vert Feuille, là c'est du récent. Arbok en rare de Île des Dragons, alors ça c'est magnifique. Espèce Delta, ça je suis sûr que je l'ai pas. Ok, donc là on commence avec des choses vraiment sympas. On a un Tentacool en commune d'Aquapolis que je n'avais pas, donc ça c'est génial. Une carte dresseur, tas de morve de merveille secrète, échange avec le petit Ortipousse, génial. Là on a le Tiplouf sur le super rappel, Rondoudou de Duel au sommet, là on est sur du récent. Plage de cristal, très belle illustration de traîneur, franchement les traîneurs du Blockex c'est vraiment sympa. Donc là on est sur Gardien de Cristal évidemment, Goupilou, une fausse carte, ensuite Céléroc, Brocélum,
Miaouz de Galar, une fausse carte. Gros Ray, donc là c'est du récent. Barloche. Et vous avez vu la carte de derrière, non mais c'est incroyable. Donc là on a Barloche de Fantomolon, et là on a un Vibranymph qui est off-center. Regardez le centrage de cette carte, c'est magnifique. Donc moi je collectionne les miscuts et les petites erreurs comme ça. Donc là c'est pas un miscut, elle est pas coupée jusqu'en haut. Mais c'est un off-center, donc elle est vraiment décentrée. Donc ça part dans les hits aussi. Ensuite on a quelques énergies. Et on va se prendre un autre tas, donc j'ai vraiment le choix dans les tas. Morpheo, Soleil, donc de Éveil des Légendes, Lixie, donc là c'est du récent, le récent je vous ai dit, hein, je passe. Ferro-Singe, donc là on est sur Diamant et Perle, Duel au Sommet, Tadmorph de Platine, Énergie de Aube Majestueuse, Gobou, là on a un Polichombe de Créateur de Légendes. Alors, Cacnea, Duel au Sommet, une Énergie, Shaofuin, une carte très abîmée, ah ouais, plus qu'abîmée putain. Ça c'est Galifeux, donc de Gardien de Cristal, on voit juste le petit signe qui dépasse. Nénupio, encore le Gobou, là une carte qui est sleevée, qu'est-ce que ça va être? Une Reverse, ok, un Flambino Reverse, bon je la mets avec le reste. Tauros, Baie Mémoire, encore une magnifique trainer du bloc X. Donc là on est sur du récent, noir et blanc de base, ok. On a du Duel au Sommet, Poussifeu de Gardien de Cristal, Gobou de Gardien de Cristal. Alors là, c'est dommage, c'est une rare de Légende oubliée, Fenard, mais qui est très abîmée. J'espère qu'il n'y aura pas trop de cartes comme ça. Bon, je la garde quand même, de toute façon, je ne l'ai pas dans mon set, donc ça partira dans la collection, même si elle est défoncée. En attendant de trouver mieux. Baudrive, Electek, très belle illustration, là. Ah, je pensais que c'était Kawaiyu l'illustrateur, mais non, c'est Tokiya. Pokéball, Lixie. Une énergie, Débugant de Éveil des Légendes, Rival, on a Gloopty et Luxeball, ensuite des énergies, Fogler de Gardien du Pouvoir, qui est quand même en très bon état, on a Bulbizarre, Flamajou en Reverse, donc là c'est de la Reverse de McDo, Titar, Masco, là on a... Ouh! On a une énergie de Pop 4. Ça, c'est vraiment très rare. Ça, c'est vraiment une super trouvaille. Donc là, toutes les cartes sont à l'envers. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais les mettre dans le même sens. Ce sera plus agréable à découvrir. Donc on a Colombo, Munja, donc de Ex-Deoxys, en très bon état aussi. On a vraiment... Ah oui, là, c'est un code. Je me disais, qu'est-ce que c'est qui dépasse? Mais non, c'est un code Kenotor. Donc on a un code de Reine de Glace. Je vous le donne. Je ne sais pas s'il est encore valable. À vous de tester. Ensuite, on a une petite rare de Duel au Sommet, Terral, on a encore du Platine, un petit Tortipousse sur la carte échange, Apitrini, Énergie, Énergie, Rose Bouton, Archéomir, on a beaucoup de Diamants et Perles, ça fait trop plaisir. Là, on a encore une rare du Blockex avec ce Mangriffe de Gardien du Pouvoir. On a un Écaillon de Tempête, Flingousse de Offensive Vapeur, Feu Forêve de Platine. Donc voilà pour ce premier... On va le mettre de côté parce que sinon ça va être beaucoup trop gros. Et là, regardez-moi la première carte, c'est un Boscara. Donc ça part de côté direct. Ensuite, on a Cacnea de Duel au Sommet, encore du Duel au Sommet. Primplouf de Platine. On a une autre carte sous sleeve derrière. Il s'agit d'un Limaspid. Alors je sais pas pourquoi ce Limaspid est sous sleeve. Ensuite, je vois que ça brille derrière, donc je sais pas ce que ça va être. Je sais pas si c'est du fake ou pas. On a un mini Draco. Île des Dragons qui est vraiment clean, ça fait trop plaisir. Oui Messire, Chinchidou, la découverte du professeur Cosmo, encore un échange. On a récupération d'énergie, Tauros, Canard Tichot, Sort Silence, Fampi. Là on a une carte à l'envers, Attrape Riposte, ça doit être du récent aussi, ça, Péka Glaçon. On a une première holographique qui est dessiné par Kawaiyu. Ok, derrière, donc c'est la Lucario V-Star dont je vous avais parlé. Donc on a le Lucario V-Star qui est quasiment neuf, il est near mint, il y a des petites rayures quand même. Là on a Loclass. D'accord, ok, donc ce Loclass, il est pas collé au... il est un peu désaxé, donc il a dû être décollé puis recollé, c'est vraiment bizarre. Vous voyez que là ça se décolle, bon ça sur Diamant et Perle, ça fait pas mal ça entre les niveaux X et les Reverse. Mais elle a dû se décoller et quelqu'un l'a recollé dessus.
C'est assez original comme carte. On a un Ocelet, Nidoran en espèce Delta, donc de Île des Dragons, Ammonita, Tadmorve, Énergie, Apitrini, Boostiflore, Ningal, Bloqueur d'outils. On a pas mal de blocs, c'est vraiment cool, je vais pouvoir avancer bien aussi. Aragdo, Pièce Rune, Vieille Ambre. Encore un traîneur, donc là, magnifique traîneur avec Givrali et Philali. Lianaja, Carabang. Ici, on a le Culbutoke, Duo Majestueuse, ok. Là, c'est du récent. Pareil, du noir et blanc de base avec une rare, Fragile Lady. Là, on est sur du Rubis Saphir. On va essayer de mettre tout à l'endroit quand même, ça sera mieux. Alors, des énergies. Du Pokémon Go, il y a vraiment de tout dans cette réception. Polichombre en reverse, donc ça part de côté aussi. Rondoudou. Ensuite, Étourmi des Aubes Majestueuses, 9-9. On a Machopper. Et encore une belle traîneur du Bloc X. Alors, on a encore beaucoup de tas à faire. Là, j'ai encore 5 gros tas. On en a fait l'équivalent de 1 pour l'instant. Donc, je vais mettre ça de côté. Donc, on va enchaîner. C'est parti avec ce tas-là. On commence, donc on va le diviser en deux encore une fois parce que sinon ça va être trop compliqué. On a un Love Disc de Légende Oubliée, une petite énergie, Ortide de Fantôme Molon, Makuhita, Electrode, Sepiatop en reverse, Negapi, on a du récent, Victini en holo, donc là c'est les holos de McDo 2022, donc il y a vraiment du très récent, Éveil des Légendes. Balbuto de Fantôme Molon, ça c'est du récent. Ok, on a une carte Bakugan, d'accord, ça marche. Férosinge, là c'est du Aube Majestueuse avec ce cap humain. Alors, Mangriffe, Mediena, la visite du prof Shen. On a une autre carte derrière, encore un échange, ben décidément. Alors, Rosabis de Duel au Sommet, encore du Duel au Sommet. Là, on est sur Merveille Secrète. On a même une carte Fortnite derrière, excellent. Donc là, c'est Créateur de Légende, Mangriffe avec Duel au Sommet. Une super carte Fortnite, génial. Ensuite, derrière, on a une rare de l'Éveil des Légendes et une traîneur de Merveille Secrète. Ça, je sais pas ce que c'est encore comme connerie. Euro 2016, d'accord. Drabi. Ici, on a que de l'ancien, du diamant et perle. C'est génial, franchement, j'adore découvrir ces collections-là. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose qui va rentrer en collection sur diamant et perle parce que j'ai presque fini en termes de Co & Co. Mais c'est toujours super plaisant de découvrir tout ça. Donc là, on a un Dracos de Merveille Secrète. Ici, une rare de Gardien du Pouvoir, une énergie obscurité. Ça, c'est plutôt cool. Ensuite, du XDO6 encore. Mamambo du set de base de noir et blanc. Ici, tac, on va faire comme ça. Je suis désolé, j'ai un peu tout à retourner en même temps, mais c'est un peu complexe. Ça, c'est du récent, Reine de Glace. Tortipousse, ok. Petite Tortipousse de Rivaux émergent. Aspico. Nénupio, d'accord, des énergies. Là, on a du récent. Encore du récent. Une petite reverse de style de combat. Du récent encore. Goinfrex de Aube Majestueuse. Ensuite, la gentillesse de maman. Donc Aube Majestueuse, Mustéboué, Colossinge, Mystherbe. On va avoir. Tac, on va retourner ça. Cacnea, Aragdo. Là, on a du Star Étincelante, d'accord. Peut-être qu'on trouve un petit Torterra de Star Étincelante. Mirondelle de Île des Dragons. Mediena. Donc de platine de base, ouh, très jolie carte de Fantôme Molon en espèce Delta, le Persian. Elle est magnifique avec le double type obscurité et métal. Franchement, c'est très stylé. Et on va terminer avec Sarah en reverse. Pour terminer ce tas, on a encore un autre tas. Donc multi-exp. Là, ça part de côté. Tournegrin. Donc là, on a encore des trucs Marvel. Le Zarbi H, qui est une rare. Là, c'est du récent, je l'avais reconnu au dos. Ça doit venir du kit de
liquide avant-première vu la qualité des cartes. Ici, on a du diamant et perle tempête. Alors j'ai tout remis dans le bon sens, comme ça ce sera plus pratique à découvrir, et j'ai vu quelques belles cartes sympas, j'ai pas tout vu. On a un Tortipousse très sympa que j'avais pas vu. Nénupio de gardien de cristal, encore un Tortipousse décidément. On a Mushana, Baudrive, là c'est l'énergie, du Île des Dragons, ok. Donc, tout ça c'est à l'envers. C'est du récent de toute façon ça, donc le récent on passe. Rosabis de Duel au Sommet, il y a beaucoup de Duel au Sommet quand même. Chamallow de gardien de cristal. Céléroc de créateur de légende, c'est une rare, très sympa, je pense que je l'avais pas celle-ci. Céribou. Ensuite on a Ramboum, Tilton, Terral, un peu de HGSS, on n'en a pas vu beaucoup. Petite rare de platine, Kunotor, Échange, Armulis. Là on est sur le kit du dresseur avec le Riolu. Archéomir, Énergie, Meditica, donc le gardien du pouvoir. Pokéball de platine, là on est sur du noir et blanc de base, Makuhita. On a encore du bloc-ex avec du gardien de cristal, encore une fois, il y a pas mal de gardien de cristal aussi. On a du force caché, ça c'est plutôt cool, on n'en voit pas souvent du force caché, donc c'est sympa. Germignon, Poussifeu, petite reverse, Piafabec. Encore une rare de rubis saphir, très sympa, énergie métal, ça c'est chiant à trouver les rares comme ça. Donc ça tombe bien, du bloc-ex avec ce Goélise, Mimigal, Skelenox, La Recherche d'Amel, Posipi, là on a un Carvana, Zarbissé, Snubbull, on a un peu de récent, Skitty, Ramolos, bon je suis désolé, j'ai tout mis dans le bon sens, c'est-à-dire la face du bon côté, mais j'ai pas mis dans le sens à l'endroit à l'envers, donc c'est encore un peu embêtant, mais c'est quand même plus simple. Donc voilà, ça c'est la belle carte que j'avais vue. Il s'agit de la Pokéball en reverse de gardien de cristal, qui est très sympa. Et franchement, en plus, les Pokéballs, c'est quand même emblématique, donc une carte comme ça, c'est magnifique. On a un peu de récent avec ce Sonistrel, Cornèbre, Salamèche. On n'a pas vu beaucoup de Salamèche, Reptincelle et Dracaufeu, ni de starter d'ailleurs de première génération. Nidoran, si on a vu un peu de Bulbizarre, pardon, mais on n'a pas vu trop de Carapuce. Là on a du Île des Dragons, Kikli, Lansargo en reverse, Soloshi, là hop, Zarbi Z, Cornèbre, Chuchmur, là c'est Ekrapens, petite dédicace à Rayquamaster avec son Ekrapens marseillais. Ensuite on a Restauration d'énergie, Pashmila. Et là, c'est une magnifique carte, mais qui est défoncée, c'est dommage. C'est... Waouh, ouais, derrière, c'est encore pire. C'est une rare de Ex-Dragon, donc ça, c'est vraiment rare pour le coup. Mais je suis dégoûté, elle est défoncée. C'est pas grave, elle ira dans ma collection quand même, tant que je trouve pas un meilleur état. Et puis quand je vais trouver un meilleur état, celle-ci partira à l'échange, je pense. On va terminer avec un troisième tas, comme ça on se garde les trois plus gros tas pour une prochaine partie, parce que là, sinon, la vidéo va durer 50 minutes. Et même si j'aime bien faire ça, ça va être un peu chiant pour vous à regarder 50 minutes d'affilée. Donc autant qu'on le fasse en deux parties. Je mets tout ça dans le bon sens et puis on se retrouve juste après. Ok, on est bon, j'ai tout remis dans le bon sens. Donc on continue avec ce Granivol. Bon, forcément il y en a qui sont à l'envers. La gentillesse de maman, des petits supporters. On a Primplouf, Racaillou. Énergie, Crustabri de Merveille Secrète. Là, on est sur Éveil des Légendes. Une petite carte sympa qui est la requête de Lula. Très belle traîneur aussi que j'ai en reverse. Castorno, Onyx, Cradopo, Rest, Altaria de Platine de Base qui est une carte rare. Vibranymph, Spoink de Gardien de Cristal. Là, on est sur l'ancien avec Terraclope. C'était du Dragon Exalté ici. Si je me trompe pas dans mes séries. Là, du Duel au Sommet, Aube Majestueuse, du Deoxys avec un Spoink encore. Dracos, Milobellus, une très jolie rare. Regardez-moi cette illustration qui est magnifique. Bon, forcément, elle est abîmée, mais c'est vraiment stylé. C'est juste une simple rare, mais elle est magnifique. On a un Quillfish de Merveille Secrète,
petit plouf de aube majestueuse, là c'est du récent, une petite reverse qui part de côté. Ensuite on a du Île des Dragons, bec à glaçon, du Ex Deoxys, très sympa. Alors, on a du Aube Majestueuse, Dragon Exalté, Professeur Cateleria, Poussifeu, donc de Gardien de Cristal. Ça, c'est du récent. Ensuite, on a une rare de Duel au Sommet. Il faudra que je vérifie si je l'ai. Je sais qu'il me manque plus grand-chose sur cette série, mais peut-être que celle-ci, il me la manque. Le Réseau de Siléo. Donc là, on passe, c'est pas très intéressant. Donc là, on a un Ptera en commune. Très sympa. Otaria de Île des Dragons. Ensuite, on a le Moufouette, l'Abbé Mémoire qu'on a vu tout à l'heure, une petite carte Fortnite. Rescousse Pokémon, donc là c'est de l'énergie. Grenipio de Gardien de Cristal. Ensuite, on a Marcacrin et Evoli. Donc, c'est surtout le Evoli qui est intéressant là-dedans. On va avoir un Limagma de Force Cachée, donc que je n'avais pas, je pense, qui est très sympa. Ensuite, ça c'est à l'envers, donc on remet dans le bon sens. Mimigal, le Démolos que je pense ne pas avoir et qui maintenant est présent en deux fois. On a du Merveille Secrète, du Gardien de Cristal, Fantôme Olon. Il y a vraiment des belles séries. Je vois un truc qui brille, je sais pas ce que c'est. On a Poussifeu, là c'est du Diamant et Perle Tempête, Merveille Secrète, Éveil des Légendes, un petit Archéomir. Staros, on va arriver bientôt sur la carte qui brille, donc on a une reverse que je vois derrière. Donc là c'est du Éveil des Légendes avec ce Persian. Ensuite Chamallow de Déchaînement. Et on a un Scolossandre reverse donc qui est une peu commune. Alors ensuite on a Soporifique, Primplouf, Énergie, du Ruby Saphir, un peu de récent encore, du Glaciation Plasma, des énergies, Chuchemur, donc là on a un Zarbi qui est off-center aussi, très sympa. Donc il est un peu moins off-center que celui d'avant, mais je le mets de côté quand même, c'est très sympa à découvrir. Chuniti Cap Déchet, et on va avoir un Ponchio Reverse. Bon, bah écoutez, c'est tout pour cette vidéo, je vais vous montrer un peu ce qu'on s'est découvert aujourd'hui. Donc on a découvert ce tas-là, celui-ci, et celui-là. Ensuite, donc là, derrière, c'est toutes les cartes intéressantes, je vais vous faire un petit récap. Et ici, c'est tout ce qu'on va se découvrir pour la prochaine fois, donc vendredi prochain. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, on va se faire le petit récap et ensuite on va se laisser. Alors, en récapitulatif, on a eu Ponchio en reverse, on a un off-center de Zarbi, là on a de la reverse, donc c'est pas hyper intéressant de la reverse normale. Par contre, la Pokéball reverse, elle est très jolie, de la reverse récente, du petit Tortipousse, de la reverse récente encore et toujours, encore un Tortipousse, une holo récente de McDo, de la reverse, donc là on est sur du noir et blanc, ou alors du XY, je sais pas vraiment. Polichombre, là on est sur une reverse assez bizarre qui a été décollée, recollée, j'ai l'impression. On a le Lucario V-Star quand même, que j'avais oublié, qui est la plus grosse carte, je pense, en tout cas en termes de prix, mais c'est clairement pas la plus rare de ce lot. Je pense que la plus rare de ce lot, c'est plutôt celle-ci d'ailleurs. Donc la carte Pokémon peu commune, l'énergie guérisseuse de Pop 4. Ensuite on a Flamajou Reverse, Flambino Reverse, là un off-center encore plus prononcé que le premier. Et une carte de Tempête, donc une carte de la série Gardien de Cristal qui est en Reverse, donc c'est magnifique. Écoutez, c'est tout pour cette vidéo, je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout, elle était assez longue. Mais j'adore vraiment faire des découvertes de collections mystères comme ça avec vous, ça faisait longtemps. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à liker si c'est le cas, à commenter pour me donner votre avis sur cette réception, sur cette première partie. Et puis on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, salut !